E adesso ci siamo? Ce la facciamo. L'esperienza che ognuno di noi oggi presente in questa sala ripone nel futuro dell'Università della Valle d'Aosta sono sentite e numerose. Chiudo il pomeriggio la lectio magistralis del professore Roberto Louvain, associato di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi di Trieste, avvocato, già assessore regionale all'educazione e alla cultura, presidente del Consiglio regionale e presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La lectio magistralis avrà come titolo «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico». Lorsque le doigt retrouve la nature. Merci beaucoup. Sono molto sensibile, magnifica rettrice, Monsieur le Président de la Région et du Conseil d'administration de l'Université de la Vallée d'Aoste, Madame l'Assesseur, Monsieur le Sénateur, Syndic, Monsieur le Vice-Président du Conseil de la Vallée, chiarissimi e carissimi colleghi e colleghe dell'Ateneo Valdostano, gentili studenti, studentesse, autorità tutte in ogni ordine e grado, ad un per me grande ed inatteso onore di potermi rivolgere a voi con una piccola prolusione in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico. Rivolgo in particolare a lei, magnifica rettrice, un saluto ben augurante. Credo ci abitueremo facilmente a sentir risuonare l'aggettivo che è tradizionale, secolare, ma al tempo stesso per noi nuovissimo nella sua declinazione di genere, aggettivo femminile di magnifica. Magnifica in fondo è in senso etimologico, colei che fa grandi cose e non c'è, credo, auspicio migliore che le possiamo rivolgere noi tutti che siamo qui presenti nei giorni in cui ha preso le briglie dell'Ateneo intramontano in un momento particolarmente travagliato. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Qualcuno di voi legittimamente potrebbe nutrire dei sospetti sulla possibile alterazione dello stato mentale di un docente che, chiamato da giurista a pronunciarsi in una sede così ufficiale, non trovi di meglio che declamare la prima strofa di un poemetto, L'Aquilone di Giovanni Pascoli, che, come molti di voi, ho studiato anche un po' svogliatamente alle scuole elementari, quelle che chiamavamo ai nostri tempi, che non chiamavamo ancora ai nostri tempi le primarie. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Mi pare pure che queste parole riassumano molto meglio di tanti codicilli, di tanti latinismi, la sorprendente parabola che porta oggi a riscoprire il profondo rapporto che deve legare la natura al diritto. La natura, quel tutto che ci circonda, ma che è anche dentro di noi e parte di noi, che ci nutre e ci sostiene nello sviluppo della vita umana, animale, vegetale, sul nostro pianeta, quel particolare equilibrio tra le componenti dell'atmosfera, del territorio, dell'aria, delle acque, della flora e della fauna. Un tutto che oggi la scelta riscopre avere carattere di sistema. Equilibrio armonico tra organismi ed ambiente, che però ha trattato per 3 secoli come un semplice giacimento di risorse, credendolo forse a torto inesauribile, traendone alimento, energia, certo, divertimento e purtroppo spesso anche riducendolo al semplice ruolo di produttore di ricchezze. Verso questo tutto, questo insieme di elementi combinati e interdipendenti fra di loro che chiamiamo oggi ecosistema, il diritto ha avuto in origine un profondo rispetto.
La ricerca di armonia con le leggi della natura è una costante, certo dei popoli ctoni, quelli più legati alla terra, ma anche di molte, di quasi tutte le antiche civiltà. Nella coscienza giuridica romana, e prendo la libertà di chiamarne a testimone niente meno che Cicerone, che ne è stato uno dei massimi interpreti, la vera legge non era atto d'imperio, ma espressione di retta ragione in accordo con la natura. L'ordine naturale si esprimeva in un complesso di ineluttabili necessità giuridiche e sociali applicate al mondo fisico. Era l'antica armonia che ricercava Lucrezio nel De rerum natura, Felix qui potuit, De rerum cognoscere causas, e a cui l'uomo non poteva e non doveva sottrarsi. I singoli elementi della natura, sorgenti, boschi, venti, hanno sempre preso forme di persone divine, ma la natura nel suo complesso aveva una forma molto particolare che è rimasta un po' marginale, un po' nascosta. Questo curioso simbolo, che sicuramente come me avrete trovato molto spesso nei capitelli, nelle misericordie delle chiese, nei chiostri, si chiama oggi il Green Man, ma altro non era che l'immagine che sempre si riportava, magari un po' lontana dai santi venerati, della natura nel suo complesso, e questo suo rigoglioso fiorire di arbusti, di verde, di foglie, dalle orecchie e dal naso, stava a significare proprio questa incontenibile forza della nostra natura. Non erano concetti questi della natura puramente normativi, ma erano piuttosto res sacre, questioni sacre, nel senso perfettamente colto già dal grande studioso di diritto romano, Jan Thomà, che ne individuava nella non appropriabilità il carattere principale, nella sottrazione al dominio individuale e al commercio, e quindi nell'obbligo di rispettarle assolutamente, di lasciarle fruire a tutta la comunità. La prospettiva del diritto naturale, con il giusnaturalismo, ha collocato, credo correttamente per secoli, l'etica e la legge divina al di sopra del diritto prodotto dall'uomo, dominando per molti secoli tutto l'orizzonte delle scienze giuridiche. Ce lo ricordava con la sua opera il grande filosofo del diritto Alexandre Passerin d'Entrèves, un celebre accademico valdostano, che proprio alla riscoperta del principio giusnaturalistico con il suo fondamentale libro La dottrina del diritto naturale negli anni 50 dava un impulso decisivo. Ma purtroppo di questa natura l'uomo del Rinascimento, e quest'anno celebriamo con enfasi il quinto anniversario della scoperta di Leonardo da Vinci, che fu ancora sensibilissimo all'ascolto della natura, ha iniziato a separarsi nei tempi moderni, facendolo diventare attraverso la sua scienza non solo oggetto di conoscenza ma oggetto di dominio. Un atto di orgoglio che si è tradotto in un diritto moderno che non ha più riconosciuto il magistero della natura come fonte superiore. La regola giuridica è diventata espressione di forza e di arbitrio politico. Una singolare interpretazione permetteva così a Hobbes, e chiedo scusa ai filosofi, del diritto in particolare che sono qui presenti, se sconfino un po' dall'ambito della nostra scienza giuridica. Hobbes, il teorizzatore conclamato della sovranità politica moderna, riteneva che proprio la natura legittimasse l'uomo a qualsiasi eccesso. Il diritto della natura, scriveva nel Leviatano, che gli scrittori chiamano comunemente ius naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, della natura dell'uomo e non già della natura stessa. L'uomo si è quindi incoronato sovrano, padrone dell'universo,
superiorem non reconnoscens in campo politico, mettendo il sovrano nella posizione del dominatore che non tollera nessuno, sia esso papa, imperatore o natura, al di sopra di sé. Il diritto ha sottoscritto e sancito questa concezione in tutte le sue forme e conseguenze ed ha iniziato così a confondersi con la legge. La lingua inglese, più fedele in questo della francese e dell'italiana, la matrice originaria del concetto, ha continuato a ritenere che law fosse sinonimo di diritto e non sovrapponibile alla legge voluta dagli uomini. Mi fermo, doverosamente, rispetto a questo argomentare, perché ho piacere di vedere in sala il più grande studioso italiano di common law, l'amico professor Ugo Mattei, compagno di studi ben 4 decenni or sono, nell'Ateneo torinese, a cui molto devo come fonte di ispirazione in questi miei modesti studi sui beni comuni e sull'ambiente. Ma non tutti i giuristi, per fortuna, si sono piegati a quel tempo al nuovo corso. Ugo Grozio, iniziatore del giusnaturalismo moderno, respingeva l'idea di un diritto positivo come sistema astratto di norme umane arbitrarie eticamente relative. Pufendorf ricercava uno stato di natura temperato e Otto von Guericke indagava sul funzionamento naturale delle comunità umane come organismi viventi, appunto naturale, nella sua ricerca delle basi del diritto politico. Ma il processo era in moto e imponeva una visione riduttiva e meccanicistica della natura, la grande macchina della natura. Il progresso scientifico illuminava i destini dell'uomo sulla via di una sua pretesa onnipotenza. La totale fiducia nella scienza e nello sviluppo tecnologico, l'idea di una crescita infinita, di un'inarrestabile evoluzione della società, dispiegavano le loro ali e facevano scolpire ai giuristi nei codici, e Napoleone Bonaparte ne fu un grande ispiratore, questa idea di proprietà come diritto assoluto, signoria incontrastata dell'uomo su tutte le cose. La proprietà, è scritto a chiare lettere nel Code Napoléon, è le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'uomo e la sua legge come solo limite all'uomo stesso, ma possiamo ritenere che anche questa fosse una finzione, come è finzione l'immagine di Napoleone su un cavallo bianco al Gran San Bernardo, che pure nell'immaginario da sempre di studiosi e studenti, un primo Photoshop dell'epoca per cui un grandissimo condottiero giunto a dorso di mulo imbacuccato in un pesante pastrano si può trasfigurare grazie all'intelligente trasposizione del pittore in un altro personaggio. Così pure la proprietà, che non è mai stata in realtà assoluta e illimitata, ha preteso di poterlo essere. Poco propenso alla moderazione, il giurista ottocentesco ha proclamato a chiare lettere questo droit de défendre la personne, la liberté et la propriété, facendo dire in pratica alla natura esattamente quello che l'uomo voleva sentirsi dire. E nel Novecento, nel secolo che abbiamo conosciuto e che si è chiuso, l'operazione per cui la proprietà può passare da una mano all'altra, quella che noi chiamiamo comunemente il mercato, è diventato il vero e proprio surrogato della natura. Il mito della suprema capacità regolativa del mercato, che detta le sue regole incurante non solo dei diritti sociali, ma anche dei diritti umani, e ovviamente totalmente sordo ai limiti stabiliti dalla natura. La legge dei numeri a Wall Street è la suprema nova lex e vige oggi all'alba del nuovo secolo un altro principio, il principio del numera et impera, che sfocia in gelidi algoritmi di chi controlla dati e numeri, misura quantità
in maniera sempre più astratta, algoritmi che riteniamo possano ormai regolare ogni cosa, al punto da soppiantare perfino il lavoro stesso di giudici e avvocati. Forse una meritata pena del contrappasso per la cecità dei giuristi che siamo stati, improvvidi e incuranti dei diritti della natura. Ma per non farci mancare nulla, siamo arrivati perfino a fissare un prezzo ai doni che la natura generosamente ci elargisce, quantificandoli sotto la seducente etichetta di pagamento dei servizi ecosistemici. Il prezzo, gli economisti spero non mi smentiranno, non è però sinonimo di valore. E aggiungerei che non c'è moneta che possa compensare il lavoro delle api nella loro insostituibile opera di impollinazione. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, à l'aube du nouveau millénaire, l'homme se réveille de son rêve de toute puissance et plonge immédiatement dans un cauchemar. La nature sonne le glas et force nous est de reconnaître que le droit international et le droit constitutionnel doivent prendre acte que la récréation est terminée et qu'il faut bien reconsidérer notre propre finitude. Après quelques tentatives de réglementer le droit de l'environnement, avec des résultats d'ailleurs globalement plutôt insatisfaisants, nous devons tirer le frein, nous retrouvant désormais au bord du gouffre. L'alerte n'est pas lancée seulement, vous le rappeliez tantôt, Madame la Rectrice, par quelques milliers de jeunes en quête le vendredi avec les Fridays for Future d'une journée d'école buissonnière. Mais les Nations Unies et les scientifiques du monde entier lancent l'alerte sur l'insuffisance des mesures qui considèrent la nature comme une simple question à gérer et sur l'incapacité prouvée du droit à en gouverner aujourd'hui les effets. Scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any catastrophic threat and to tell it like it is, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est ainsi que les scientifiques du monde entier, 11 258 scientifiques de 153 pays, ont lancé il y a 20 jours une alerte pour avertir clairement l'humanité de la menace catastrophique qui incombe sur elle. C'est une réécriture complète aussi du système juridique qui s'impose pour accompagner la transition écologique, si l'on veut encore freiner et stopper la course vers l'autodestruction. Le droit actuel de l'environnement, en tant que réglementation sectorielle, administrative, technique et anodine des flux naturels, l'eau, l'air, les ondes électromagnétiques, pour essayer de gérer les transformations et les dommages provoqués par des milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre, par nos déchets, nos émissions nocives, pense encore à tort ce droit de nous permettre de tirer une fois de plus notre épingle du jeu avec un maximum de profit et un minimum de dommages collatéraux. Ce n'est hélas qu'un bien léger pansement pour une blessure qui menace par contre d'être mortelle. Ce droit en dents de scie, aussi séparé par secteur et par modalité d'intervention, est bien peu de choses face à l'exigence d'une régulation globale différente. Mais c'est surtout, au fond, l'idée que la technologie, tôt ou tard, trouvera bien les bonnes solutions et tout va finalement se régler, qui est une idée bien trop naïve et aux conséquences assez inquiétantes. Le dérèglement climatique est devant nous et tout cela en vertu des droits prioritaires de l'homme, de l'humanité, sur la terre où nous vivons. Face à ce prétendu droit supérieur de l'homo sapiens, qui s'est désormais fait homo deus, parce qu'il peut tout faire, ainsi croit-il, s'élèvent aujourd'hui les droits de la nature, et ces droits à sa propre intégrité, à sa restauration de pureté, au respect de ses rythmes. Déjà,
dans les universités et même à l'extérieur, bien sûr, des avant-gardes parlent une langue nouvelle et se mobilisent dans les tribunaux, les cours environnementales surgissent et plusieurs pays, dans plusieurs pays et d'autres encore vont paraître bientôt. Et partout, on commence à reconnaître la personnalité juridique de la nature et de certains de ses éléments. Alors que la tradition juridique occidentale, celle dans laquelle nous avons fait nos études et nous avons grandi, a toujours voulu reléguer la terre et ses fruits dans la catégorie des objets de sa propriété, d'autres visions, d'autres cosmovisions, anciennes et modernes à la fois, nous répliquent par la revendication du respect, à l'harmonie, à la coexistence. La nature devient juridiquement, en termes de droit, un sujet de droit et non plus un objet. C'est une conception nouvelle, au potentiel immense qui commence à circuler dans tout le contexte occidental et nous sommes visiblement à un tournant historique pour la science juridique. C'est ce que les pionniers commencent à appeler de leur vœu comme une conversion écocentrique du paradigme juridique occidental. Des mots bien compliqués que j'essaie de résumer par la pensée d'un magistrat particulièrement clairvoyant et par la formule employée par le Justice Douglas, doyen de la Cour suprême des États-Unis, dans une célèbre sentence des années 60. 10, qui résonne haut et clair pour nous dire que ce sont les vallées, eh bien là, nous sommes bien concernés, les prairies alpines, dit-il dans une célèbre sentence de la Cour suprême américaine, les rivières, les lacs, les estuaires, les plages, les crêtes, les bosquets d'arbres, les marais ou même l'air qui subissent les pressions destructrices de la technologie moderne et de la vie moderne. La rivière, par exemple, est le symbole vivant de toute la vie qu'elle entretient et nourrit. La rivière, en tant que plaignante, c'est dire le sujet qui a le droit d'être présent dans un jugement et de revendiquer sa propre protection, la rivière, en tant que plaignante, parle au nom de l'unité écologique de vie qui en fait partie. Et les personnes qui ont un lien significatif avec ce plan d'eau, un pêcheur, canoïste, zoologiste, un bûcheron, doivent être en mesure de parler au nom des valeurs de la rivière, que la rivière représente et qui sont tous menacés de destruction. C'est un droit totalement nouveau, entièrement encore à construire, un droit où il n'est plus question de droit sur la nature, mais de droit de la nature, un droit lui-même, n'est-ce pas, Hugo, à renaturaliser. Déjà, en Australie, en 2017, pour la protection de la rivière Yarra, on a reconnu légalement ce fleuve en tant qu'entité vivante indivisible, sur la base de la tradition des autochtones dans leur relation avec ce corps hydrique. En Nouvelle-Zélande, une autre décision parlementaire qui a été accueillie avec beaucoup de sympathie un peu partout dans le monde, celle qui a concerné le Whanganui River Claim Settlement en 2017 aussi, a reconnu les éléments naturels en tant qu'entités juridiques autonomes, qui ont leur propre porte-parole, qui ont leur capital à gérer pour s'assurer d'une défense effective. Et que dire des droits des animaux ? L'animal, un homme comme les autres, point d'interrogation, ce n'est pas une formule à effet que j'ai choisie, c'est le titre d'un colloque d'éminents collègues juristes français il y a quelques années pour souligner le rapprochement de plus en plus rapide des animaux à l'homme dans la protection de leurs propres droits par rapport à la considération objective dont ils jouissaient au préalable. Et dans les constitutions, bien sûr. Les plus récentes font parfois état, comme la Grundgesetz dans sa modification de l'article 20.a, de la nécessité de protéger les fondements de la vie. Mais d'autres reconnaissent aussi les droits de Pachamama, de la terre-mère, et y consacrent des cours.
pour la défense de ses droits et y consacre un droit de parole de tout un chacun pour qu'il soit protégé. L'idée de reconnaître à la nature des droits autonomes par rapport à ceux que nous attribuons aux humains, un concept qui est totalement occidental, puisque nous sommes finalement, nous les Occidentaux, les seuls à avoir connu et à pratiquer cette dichotomie entre la nature et la culture, qui a très bien été illustrée par Philippe Descola, nous impose aujourd'hui une opération écologique sur le droit même et une révolution copernicienne. Là où la logique artificielle du juriste a jadis fondé sa science sur l'homme uniquement, la parité des intérêts en jeu exige maintenant une réécriture écocentrique de nos constitutions et de nos codes. Les droits de la nature, les droits de la terre-mère, ont été proclamés formellement, haut et fort, par la Déclaration universelle des droits de la terre-mère en 2010 à l'occasion de la Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique, ou plutôt, devrait-on dire, contre l'altération climatique humaine. Et dans cette circonstance, on a établi que tout comme les êtres humains jouissent de droits humains, les autres êtres aussi ont des droits propres à leur espèce et à leur type, adaptés au rôle, à la fonction qu'ils exercent au sein de la communauté de vie dans laquelle nous existons. Tout conflit entre leurs droits respectifs doit être résolu d'une façon qui préserve intégrité, équilibre et santé à la terre-mère. Je vous fais grâce, c'est bien trop ennuyeux, de tous ces droits que vous trouvez d'ailleurs là. Résumé très synthétiquement, mais vivre et exister, droit au respect, droit à la régénération de la biocapacité, conservation de l'identité et de l'intégrité, droit à l'air pur, droit à l'eau, droit à la pleine santé, droit à être exempt de contamination, droit de ne pas être génétiquement modifié dans le sens d'un changement qui puisse nuire à leur intégrité, droit à une entière et prompte réparation en cas de violation ne sont plus des droits de l'homme, ce sont des droits de la nature. C'est dire donc que chacun a le droit d'occuper la place qui est la sienne sur la terre et d'y jouer son rôle. Et dans ce rôle, le nôtre, en tant qu'humain, est celui de bien exercer les obligations qui nous reviennent de respect, d'apprentissage collectif, d'établissement de normes et lois efficaces, de préservation des cycles, des équilibres écologiques vitaux, et ainsi de suite. Après avoir reconnu, après avoir finalement fait un petit mea culpa du grand optimisme qu'a eu l'Église catholique très longtemps vis-à-vis du bon sens des êtres humains, c'est le Saint-Père lui-même qui a levé sa voix, s'inscrivant dans le droit fil de la pensée de notre François, Saint François d'Assise, et a rappelé à nous tous « Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la terre-mère, la quale ne sustenta et governa, notre mère la terre qui nous soutient et nous gouverne ». A-t-il voulu rappeler quelques siècles après le Saint d'Assise. Le pape a donc remis, pour ainsi dire, les pendules à l'heure. Il a précisé que, dans la Bible, la Genèse n'a pas invité l'homme à être dominateur de la terre et à exploiter sauvagement la nature en despote et destructeur. C'est là bien le sens de la lettre encyclique qui porte le titre de « Laudato si », lettre encyclique du Saint-Père pour la sauvegarde de la maison commune. Maison commune non seulement aux hommes, mais maison commune à tous les êtres et à tout le vivant. Rectifiant ainsi une interprétation traditionnelle qu'il estime non correcte de la Bible, il a donc invité à cultiver et garder le jardin du monde. Cultiver signifie garder, protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller, sauvegarder en garantissant la continuité de la fertilité pour les générations futures. Et les conclusions tranchantes de la lettre encyclique Laudato Si ne relèvent pas uniquement de la théologie. Elles s'adressent
tout spécialement aux juristes et aux législateurs, auxquels il s'adresse directement et spécifiquement dans ce document d'une capitale importance où il précise, je cite, « Dieu dénie toute prétention de propriété absolue ». Fermez les guillemets. Le droit qui établit les règles des comportements acceptables à la lumière du bien commun est un facteur qui fonctionne comme un modérateur important. Voilà le rôle finalement que nous avons. C'est un peu de tempérer les esprits bouillonnants de nos semblables. Mes chers collègues, de nouvelles vendanges attendent le droit. Le juriste, qui a plus que tout autre inspiré le droit constitutionnel moderne et le droit comparé, le baron de Montesquieu, était un viticulteur chevronné. Je ne vous révélerai pas un secret en vous disant qu'il a même pris goût à la comparaison des systèmes juridiques, des systèmes politiques, à l'occasion de ses voyages commerciaux en Angleterre, où son vin de Bordeaux, le vin de Bordeaux qu'il allait vendre à Londres, jouissait d'une excellente réputation. Au point d'arriver à écrire, pince sans rire, que, je cite, « Je ne sais pas si mes vins doivent leur réputation à mes livres ou mes livres à mes vins ». Toujours est-il que Montesquieu connaissait fort bien le rythme des saisons, la plantation, la taille, le ruissellement, l'éclaircissage, l'ensoleillement, la grêle, les vendanges étaient tout aussi familiers à ses yeux que les grands systèmes constitutionnels. Et c'est pourquoi dans les premières pages de l'Esprit des lois, Montesquieu nous invite à l'écoute des enseignements de la nature. Les lois ne sont rien d'autre que, je cite, les rapports nécessaires y provenant de la nature des choses et non pas le fruit d'une volonté arbitraire de l'homme. Devant la majesté de nos merveilleuses montagnes, mesdames et messieurs, conscients de notre finitude, ce rappel est précieux. Aux juristes, je dirais en premier chef, mais je pense à tout un chacun dans nos propres agissements quotidiens, pour qu'on ait une attitude dépourvue de hubris, une attitude sans démesure, sans violence, inspirée par l'orgueil. La nature y oppose à juste titre la tempérance, la modération, le sens de la mesure, la reconnaissance du sens profond de la vie. Et ce même aérobase, la chioccioline, le symbole de la révolution communicative d'Internet, ce minuscule escargot, que nous avons sous les yeux à tout moment et tous les jours, évoque le mystère profond de la vie et l'unité de tout ce qui existe, invitant au fond à une approche lente et méditée. Autorità, colleghe e colleghi, credo, temo anzi, di essere andato un po' troppo oltre, di essermi lasciato trasportare un po' troppo dal mio aquilone. Spero che, anche se sicuramente un po' annoiati, sentiate anche voi come me il bisogno di qualcosa di nuovo nelle nostre scienze e nelle nostre vite. A lungo, troppo a lungo, i giuristi, come il poeta, hanno vissuto altrove. Oggi è tempo di ritrovare e di riabbracciare la natura. Il Pascoli, nella chiusura del suo poema, del suo poemetto da cui siamo partiti, invoca una figura materna, quella che in fondo dovrebbe essere per noi la natura. Tua madre, adagio, per non farti male. È tempo che anche i giuristi, e non solo loro, credo, tornino a essere un po' bambini.